Bon, là on est en direct de la Paris Games Week, donc avec Braque, qu'on connaît tous, donc le sparring partner de Bruce, le champion du monde du FIFA. Donc tu veux Braque, déjà tu es venu pour aujourd'hui commenter les matchs, je pense, la Paris Games Week. Donc est-ce que je peux nous dire un peu sur cette Paris Games Week et cette édition de l'ESWC? Bah, en fait, je suis venu pour un peu plus que commenter les matchs. Ouais. Aujourd'hui, je m'occupais d'administrer la Coupe de France, parce que la Coupe de France c'est quand même un événement important avant le SWC. Et oui, comme tu l'as dit, à 16h il y a le match, il y a la finale de la Coupe de France que je vais commenter. Ah. Après la Coupe du Monde, bah, ça commence demain jeudi. Ah, c'est parfait. Est-ce que tu commenteras également la finale de FIFA 14 de cette édition ou d'autres matchs? Parce que je me rappelle bien quand tu avais commenté la finale face à Ovi entre Bruce et Ovi, c'était assez, assez incroyable. Bah, je commenterai aussi les matchs de la Coupe du Monde. Alors il y a deux matchs au programme, dont cette fameuse finale. C'est vrai que ça fout toujours des frissons quand on y est, et c'est vrai que j'ai hâte d'y être. Comme à chaque SWC, ça fait ça va faire maintenant peut-être 7-8 ans que je fais les Coupes du Monde, et je prends toujours autant de plaisir à commenter les matchs de FIFA. Et donc, pour revenir au jeu FIFA 14, tes impressions, est-ce que tu as une équipe en particulier qui se dégage pour toi? Bah, si tu veux, sur FIFA, tu as une équipe qui se dégage depuis 3-4 ans maintenant. 3-4 ans, oui. J'ai pas envie de te parler de cette équipe, justement, je vais la mettre hors concours. D'accord. Je vais te dire qu'il y a vraiment deux équipes qui commencent à devenir de plus en plus intéressantes plus les FIFA passent. Tu as Dortmund et tu as le Bayern de Munich, les deux finalistes de la Ligue des Champions dans le vrai foot. Et c'est vrai qu'ils commencent à devenir de plus en plus intéressants. Moi, je prends du plaisir à jouer avec eux, et pour la compétition c'est peut-être encore un tout petit peu trop juste, mais peut-être que l'année prochaine avec un petit lifting, avec des joueurs qui arriveraient dans leur club, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour l'instant ça reste le Real Madrid, hein. C'est vrai que le Real encore domine le plateau cette année, encore une fois, au niveau vitesse aussi, c'est, on peut pas trop les comparer, c'est ce qui fait la différence dans FIFA, c'est la vitesse. Maintenant, c'est vrai que ce jeu là tu me demandais mes impressions, ils ont essayé de travailler dans une autre voie, c'est un peu plus basé sur la construction. Maintenant, les débordements, les centres sur la tête, ça passe encore, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu simulation qui se dégage encore plus dans celui-là. Maintenant, il va falloir encore du travail de la part d'eSports pour arriver à nous sortir un jeu vraiment ultra réaliste. Également, j'ai l'impression que on retrouve un peu la frappe enroulée qu'on avait eu dans le 2012 et que dans le 13 on avait assez perdu, et là j'ai l'impression que ça se retrouve un peu. Alors en fait, c'est vrai que dans la première version, parce que tu sais qu'il y a toujours des mises à jour qui sont faites, dans la première version la frappe enroulée c'était champagne, ça passait à chaque fois, tu pouvais la tenter d'où tu voulais, et là c'est vrai qu'il y a eu un petit patch qui fait que maintenant la frappe enroulée est un petit peu moins accentuée, les frappes partent moins vite, donc t'as un petit peu plus de mal à les mettre, mais c'est vrai qu'elle est de retour, c'est vrai qu'elle est présente, et pour notre plus grand bonheur. D'accord. Bien, Braque, je te remercie de ces petits mots pour cette interview en direct de la Paris Games Week. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était On RMS avec Braque en direct de la Paris Games Week.